Bon, moi je vous dis bel et bien bonsoir, je suis la meuf fâchée, nouveau directeur des contenus de la chaîne numéro 8. Donc moi je vais essayer de vous dire que je sais qu'on va faire de la télévision de qualité des chaînes, ce sera la seule chaîne, bah aussi, qui fera des bonnes émissions, ouais, notamment. Comme par exemple, nous allons privilégier le cinéma de qualité, d'abord augmenter le budget, puis après privilégier le cinéma de qualité, peut-être des films très anciens ou alors bon des films peu connus mais quand même très qualitatifs comme les films de Louis de Funès, La Grande Vadrouille, L'Emmerdeur, les films d'Alain Delon, les films de Jean-Paul Belmondo. Nous avons même quelque chose à privilégier, peut-être les séries de qualité comme par exemple nous allons privilégier Derrick, une diffusion peut-être d'une peut-être diffusion de Laurel et Hardy. Et puis même nous allons bel et bien faire la diffusion des spectacles, comme par exemple le Cirque Bouglione, qui sera bel et bien diffusé sur numéro 8. Puis même il y aura quelques films, nous allons abandonner les films de petits studios amateurs. Même qu'est-ce qu'on aura du sport, notamment du badminton, du jamais vu à la télévision, et peut-être quelque chose dont un petit peu de déjà vu, comme par exemple du football, mais nous allons privilégier les petits clubs. Puis même nous allons bel et bien voir la télévision de qualité, comme par exemple, bien sûr que nous allons privilégier les émissions de plateau, notamment comme par exemple les émissions politiques, les émissions de divertissement, comme par exemple nous allons aussi privilégier les jeunes talents d'humour et de musique, notamment un télécrochet qui sera peut-être bel et bien plutôt diffusé sur notre chaîne. Aussi quelque chose, oui, nous allons bel et bien privilégier même la diversité. Comme par exemple, aussi, nous allons diffuser, je sais que sur la chaîne numéro 8, nous allons bel et bien diffuser quelque chose. Comme par exemple, un talk show diffusé, présenté par Christophe Fondeblatt. Ça va s'appeler Fondeblatt Dimanche, qui sera en hebdomadaire en deuxième partie de soirée, qui sera bel et bien diffusé sur numéro 8. Bon bah au revoir, merci pour l'interview.